Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur Garden Life. Je vous l'ai fait découvrir au moment de sa sortie. J'y avais pas trop joué, du coup je suis repartie à zéro, j'ai recommencé complètement ma partie. Et j'ai avancé un petit peu, on va la continuer ensemble. Je vais déjà vous montrer un petit peu où en est mon jardin. Bon, j'en suis encore une fois qu'au début, mais franchement je trouve ça vraiment génial. J'ai débloqué pas mal de petites choses, je vais vous montrer. Alors, j'avais une journée en cours, hein, que j'ai dû arrêter. J'ai récupéré du coup des variantes de coquelicots qui sont là. Cool, en plus j'ai une graine. Je vais pouvoir refaire des petites plantations. Je suis toujours sur la quête où il faut débloquer le stand en faisant des bouquets. J'avance, hein, tout doucement, mais j'avance. Alors, je check, parce que je ne sais plus si j'avais fait mes arrosages avant. Il me semble que si. Ah, on a une graine à récupérer. Regardez, j'ai un rosier rose. C'est cool. Hein. D'ailleurs, on va peut-être le tailler un peu. Et on récupère une graine. Ça, c'est encore plus canon. Voilà, je le taille un petit peu. L'appareil, c'est un petit peu haut. On a une graine à récupérer ici. Oups. Il me manque. Du coup, on va aller voir. Je dois faire des... La quête, c'est celle-ci. Voir mettre le stand, donc j'ai celle-ci également à faire. Hein. Alors, celle-ci, elle est en cours, bien évidemment. Et c'est celle des bouquets. Vous voyez, il me faut 5 bouquets de roses rouges, de jonquilles jaunes, de tournesols jaunes, de coquelicots rouges. Or, j'en ai fait déjà à l'avance. Ils sont ici. J'ai stocké, donc j'ai les 5 jonquilles. Il me manque 3 coquelicots. Il me manque... un bouquet de roses et un bouquet de tournesol. Alors, je viens normalement de les couper. Oh, ben non, j'ai déjà à nouveau du tournesol. On va les prendre tout de suite. J'ai des coquelicots encore poussés. Là, c'est une variante aussi de cette fleur-là, mais en rose. J'ai débloqué quoi comme nouvelle fleur aussi? On a la jonquille en blanc. Donc, il y a déjà pas mal de choses. Au niveau des rosiers, oula, j'ai encore plein de fleurs par ici. Je peux avoir une variante de tulipes, ça serait canon aussi. Alors, je crois que j'ai vu dans l'émission qu'on avait encore des tulipes à prendre. Hein. On va les couper. J'ai un doute sur le fait que les tulipes repoussent. On verra bien. J'ai eu l'impression qu'elles ne repoussaient pas et du coup, je les avais enlevées, je les ai replantées. Où vais-je? Zamnette, reviens. Reste dans le jardin. Les journées par contre passent tellement vite. Je suis à peine dedans en train de me dire je vais faire ça, ça et ben c'est fini. Alors tu vas attendre un petit peu. Parce que là le rosier j'ai de quoi tailler. Hein. Il est très haut. Donc moi je récupère des fleurs. Ça c'est des pivoines je crois. Pareil elle prend énormément de place donc je vais tailler un petit peu. Alors, ce rosier-là est pas mal. Celui-là, je peux le laisser comme ça. Là, ça dépasse un petit peu trop à mon goût. Hop. Après, je tiens à préciser que je ne gagne strictement rien en entretien de fleurs. Je trouve ça passionnant, en tout cas. Et là, je peux peut-être couper quelques roses rouges encore. Hein. On va aller checker tout de suite la mission avec les tulipes. Et je crois qu'il m'en manque une. Ouais, il m'en manque une. On verra du coup si ça repousse, si je dois les replanter. Peut-être même aller en acheter à la limite. Avant d'arrêter la journée, est-ce que je peux refaire des... Ah, je peux refaire un bouquet de coquelicots. Je peux refaire un bouquet de roses. Du coup... Alors, on a jonquille et roses qui sont terminées. Il me refaudra... un bouquet de tournesol et 2 bouquets de coquelicots rouges. On va aller ranger les graines qu'on a sur nous. Qu'est-ce que ça fait là-dedans, ça? Bah, j'ai des graines de tulipes, je pourrais aller les replanter, en fait. Jonquille jaune, jonquille jaune. Ok, je vais les mettre ensemble. Toi, t'es quoi, rose rouge? Alors, des graines de rose, j'en ai plein. Celle-là, je vais garder, par contre, la rose sauvage. Viens ici, voilà. Et ça, c'est quoi? Pivoine rouge foncé. Les pivoines, je peux les ranger.
Ça, je vais le mettre. Maintenant, j'en ai encore là. Je ne sais pas pourquoi j'ai les herbes qui sont rangées. Donc ça, c'est toutes les fleurs que j'ai coupées pour le moment. On va aller mettre des choses dans le compost. D'ailleurs, je crois que mon bac est quasiment, ouais, voilà, quasiment plein. Est-ce qu'on plante la rose sauvage avant? Moi, ouais, je suis assez d'avis, hein. Mais je trouve que je vais être très vite coincée dans ce petit jardin. J'espère que je vais vite pouvoir l'améliorer, en tout cas. Après, je peux peut-être. Attendez, je vais faire ça. On va tailler complètement celui-là. Puis on va mettre le rose à la place. Comme ça, je récupère moins les roses. C'est jamais perdu. Je l'enlève et on replante le rosier rose. On va l'arroser un petit coup. Voilà. Par contre, je pense pas que j'ai assez de place pour remettre dans le compost. Non, le compost. Attendez, si je peux récupérer ça. Je mets ça comme ça je le récupère aussi. Je range ça et comme ça, on va mettre un petit peu d'engrais avant de partir. Ça ne fait jamais de mal à personne. Je ne sais pas si ça va aider les tulipes à repousser. À voir. Et on va faire gros dodo et on recommence la journée suivante. Alors celle-là était très courte parce qu'effectivement je l'avais commencé à l'avance. Et au moment où je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire une petite vidéo dessus. Donc voilà. Ah, on a des nouveaux petits courriers, sûrement des nouvelles quêtes en vue. Trois boutures de jonquille jaune, tulipe rouge et rose rouge. Ça devrait le faire. Oh! Cette couleur, je crois, veut dire qu'on a une variante. Oui. Rose clair. Alors ça, franchement, c'est mon kiff ultime de faire les variantes. D'aller les deux. Voilà. Tout ce qui est un petit peu hybride, vous le savez, j'adore. Donc du coup, ben, là, c'est canon. Par contre, les bébêtes, un peu moins. Hein. Non, mais laisse mes fleurs tranquilles. Oh ouais, voilà. Quand on a, je crois, une lumière normale comme ça, c'est que c'est une graine traditionnelle. Je me suis assise sur le banc, ok. Toi, viens. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de nettoyer ici? Je récupère la graine. Oh, il n'y a vraiment rien dans ce truc insecticide. Là, il y a une graine à récup. Et après, on ira accueillir, du coup, bah, couper les plantes dont on a besoin pour les missions qui restent. Les tulipes ont repoussé, en fait. Il y en a qui ont repoussé. Donc, non, ça repousse. Ah, là, je crois qu'on a un problème d'arrosage. Ça va mieux maintenant, hein, madame, quand on a bu un petit coup. Je suis sorry. Très, très sorry. J'adore faire le petit tour comme ça, regarder et tout, c'est vraiment top. C'est encore mieux quand on arrive à avoir des fleurs hybrides. Je crois qu'on en a une qui est pas loin, il me semble. Ça, j'ai oublié d'arroser. Je referai un tour d'arroseur après. Hein. Là, je fais le tour de l'antiparasite. Alors ça, c'était déjà une jonquille qui était une variante. Qu'est-ce qu'on récupère alors? La jonquille jaune pâle. Ah, je crois que je l'avais débloqué dans ma première partie. C'était ma toute première variante de fleurs. Ah, il est beau le rosier rose ici. Hein. Il a bien poussé en tout cas. Alors, par ici, tout va bien. Ouais, c'est une tarte, c'est de débloquer l'autre côté. Après, il y a tellement de choses qui arrivent dans le jeu, d'après ce que j'ai pu voir. C'est fantastique. Oh, joli aussi en rose. Les fleurs, je ne sais plus comment elles s'appellent. Donc, on va dire les fleurs. Alors, j'ai jamais eu trop l'occasion en vrai hein, de m'occuper de fleurs, mais je trouve ça magnifique, moi. J'adore beaucoup, hein. Hey, je veux les couper en fait. J'ai toujours pas terminé. On va mettre de l'engrais ici. Voilà.
On est bon au niveau de l'eau. Là, je rarrose un coup. On va commencer l'arrosage dans le coin ici. J'ai plus d'eau. Alors, il y a des DLC qui sont sortis sur le jeu. Je vous avoue que pour le moment, j'y ai pas trop prêté attention. Mais il est bien possible que je craque à un moment ou à un autre. Alors toi, je t'arrose, mais il faudra aussi que je pense à te tailler. On va faire le point après sur les différentes fleurs que j'ai à planter, puisqu'on en a des nouvelles. T'as arrosé, toi? Petite mère ou pas? Alors, on va rechercher de l'eau. Ah, je trouve vraiment ça passionnant, moi. C'est tellement, tellement zen. Je vais tout de suite retailler les tournesols. Comme j'en ai besoin. On va remettre de l'engrais ici. Pour que les petits tournesols puissent repousser plus vite. Je vais récupérer, tant qu'on est là, les tulipes. Ah, il y a des fleurs comme les tulipes. J'aimerais bien qu'on puisse avoir une variante. On en aura forcément à un moment ou à un autre. Par contre, c'est le lierre. Je pensais que ça monterait beaucoup plus haut que ça. Et ça monte vraiment pas haut. Hein. Alors, ça, je les ai arrosés ce matin quand on a commencé. Ah, je pense que je vais pouvoir faire le dernier. Je crois que au niveau des bouquets, les roses, on avait terminé. Hein. J'ai regardé ça, je ne sais plus où on en est. On a les roses et les jonquilles. Il me manque un tournesol et deux coquelicots. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Tournesol, je peux faire. Bon, ben voilà. Coquelicot, toujours pas. Il m'en faut neuf. Un coquelicot, au secours. On va regarder ce qu'on a ici dans les graines. J'ai encore une fois ça qui s'est rangé là. Ça, je peux mettre là. C'est quoi ça? Cyclamen rouge. Rose rouge. Jonquille jaune. Ça, c'est la jonquille jaune pâle. Je voulais la planter. Le lierre, on en a là. On n'est pas une nouvelle variante de fleurs. C'est les mêmes, ça. Ah, j'avais le coquelicot orange que je peux planter, même si j'en ai déjà un, mais ça, c'est pas grave. La jonquille jaune, ok. Non. Bon, on en a déjà deux, c'est déjà pas si mal. Hein. Comment ça, c'est déjà la fin de la journée? Mais vous rigolez, j'ai rien eu le temps de faire. Va peut-être falloir penser à... allonger la durée des journées, parce que moi, je vais pas m'en sortir. Oups. Ah, attendez, on va planter. Ça, c'est le coquelicot orange. Donc, je vais le mettre là, comme il y en a déjà. Du coup, est-ce que ça m'a mis l'autre coquelicot? Je vais remettre un blanc. Bon, on va mettre un blanc là, en fait, de l'autre côté. On va remettre de l'engrais. On va arroser tout ça. Et c'est fou comme les journées passent vite. J'ai rien le temps de faire. Regardez, je voulais tailler tout et j'ai pas encore. On a dit tournesol, c'était ok. Hein. Ouais, on n'a plus que les coquelicots à faire. Le rosier là, par exemple, il va falloir que je le taille rapidement. Peut-être granouille. On est pas mal du tout. Mais les journées passent beaucoup trop vite. C'est infernal. On n'a rien le temps de faire. Moi, je veux profiter de mon jardin. Je veux pas être en train de speeder toute la journée. Oh! Pivoine et les bords sauvages. Oh ben canon, je sais pas ce que c'était que ce bouton, mais... pivoine rouge foncé, ça c'est la fleur. Ah, ma jonquille rose pâle, jaune pâle, je voulais planter. Je vais la mettre là.
Non, tu vas pas couper un truc qui n'a pas poussé quand même. On va aller checker par là. Donc ça, c'est la pivoine traditionnelle. Là, j'ai mon hellebore sauvage. Du coup, je pense que je peux la planter là au milieu. Comme c'est des blanches qui sont sur le côté. On découvrira la couleur. Ici, est-ce que j'ai encore de la place dans le compost? Ouais, parce que j'ai ça à mettre. Par contre, ouais, je suis vite à court de place, je trouve, dans le compost, hein. Pourtant, c'est pas faute d'utiliser tout ce que j'ai pour les fleurs. Allez, on va dormir. On a à nouveau du courrier. 5 bouteurs de... bouteurs. Boutures de roses rouges et de tournesol. Ça devrait être gérable, ça. Alors, celle-là, on peut valider. Hop. Ensuite, ça, c'est les bouquets en cours. Ça, on peut valider. Et là, il me manquera une tulipe. Là, 4 tournesols. Je pense qu'avant qu'on fasse quoi que ce soit, on va aller chercher ce qui nous manque. Comme ça, on est tranquille. Une tulipe et j'ai dit du tournesol. On va quand même mettre l'insecticide tout de suite. Voilà. Et il me manquait quoi encore? C'est tout? Ah, il me manque encore du tournesol, je crois. On va récupérer cela. Oh, j'avais pas vu! Tournesol rouge! Oh, ça va être canon, ça! Oh, classe! Bon, les bébêtes, c'est moins classe, hein. On va valider tout de suite les missions, comme ça, après, on peut s'occuper tranquillou du jardin. Parce qu'il y a plein de trucs à faire, c'est canon. Alors, ça, on peut valider. On peut valider aussi. Eh bien, il ne nous reste plus que la mission, du coup, des bouquets. Et pour les bouquets, il nous faut des coquelicots, on a dit. Et vu que j'en ai pas beaucoup, je sais pas si je devrais pas les racheter par contre des graines de coquelicot parce que ça a du mal à m'en donner beaucoup, hein. On va finir la journée, on verra bien en fonction du temps qu'on a. À moins que j'y aille tout de suite. On va tout de suite aller en ville, ça sera fait. On pourra replanter les coquelicots avec un peu de chance. Ils auront peut-être poussé d'ici la fin de la journée. Alors, il y a plein d'objets de déco. Pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Parce que c'est pas forcément tout de suite ce que j'ai envie. Si, j'ai envie de faire de la déco, bien évidemment, hein, mais... Donc, j'essaie déjà de mettre en place pas mal de fleurs dans le jardin. Mon but, ça serait qu'on arrive à débloquer l'autre côté du pont pour avoir plus de place. On va aller mettre les cloquiclos. C'est des nouvelles fleurs. Les coquelicots, zabnette. Je vais mettre le tournesol rouge ici. Je fais des tests en fait, hein, avec les couleurs, etc. Parce que... Voir comment ça peut donner. Alors les coquelicots, on va tout mettre ici. Voilà. Ça, j'aurai tout au même endroit. On va mettre de l'engrais sur tout ça. Et on va arroser. Arroser, pas déterrer. Voilà. Oh, une graine. Je m'a trompé. Alors, tout ce coin est... Oh, c'est joli les coquelicots comme ça en couleur. Oh, génial. Coquelicot sauvage. Et alors là, c'est vraiment le jeu, il veut me perdre.
Coquelicot sauvage. Et ça, c'est quoi? Coquelicot blanc. Ok. Alors, on va mettre le sauvage là. Regarde, on les garde tous au même endroit. Je vais essayer de dire leur nom, ça m'évitera de dire n'importe quoi. Hein? On va remettre de l'engrais par là. Là, on a une fleur aussi. On arrose. Je remplisse déjà mon arrosoir, les enfants. C'est fou, hein? Mais franchement, le jeu est... Quand vous aimez ce genre de jeu, il est vraiment génial. Est-ce que j'ai des bébêtes là-dedans? Oui, hein, on dirait. Ah, il en restait un tout petit peu, en fait. Je trouve que se balader comme ça dans son jardin est... Oh, elle est jolie! Et puis récolter des graines, avoir des nouvelles variantes débloquées, c'est topissime. Vous voyez ici, j'ai mis une rose. J'ai débloqué également en faisant la cueillette. Alors. Les bouquets, j'ai dit, le tournesol, c'était ok, hein. Il reste que les coquelicots à faire. Ah, chouette, graines rose, de rose rose. Non, c'est les roses, ça? Oui, c'est les roses. J'ai plus d'eau. C'est tellement zen en plus comme jeu. On irait quand même peut-être voir s'il n'y a pas, bah, je sais pas, beaucoup d'argent, un objet à acheter, je dirais bien à la boutique, mais j'ai un peu l'impression que ça va être compliqué au début de faire acheter de la déco. Alors, il y a des choses que je peux crafter moi-même, ça c'est sûr. Alors, par contre, celles-là, elles prennent énormément de place. Il faut que je taille ça. Voilà, c'est mieux. Pareil, les roses, là. Les rosiers, c'est joli, mais pas quand ça grimpe dans tous les sens, hein. Voilà, là, on est pas mal. Il y a un peu d'espace entre les deux. Ah, je n'ai pas récupéré de graines ici. Je fais le tour des graines. Et on va arroser ce coin-là parce qu'apparemment on a oublié d'arroser des jonquilles. Hein. Hop, insecticide ici. Nickel. Revenez à la vie, petite fleur. Normalement, je pense avoir tout arrosé. Peut-être pas le rosier rose qui est ici. Et ça, c'est une jonquille, je crois. Ouais. Il reste des graines un peu partout. Non, c'est bon. Il y a une graine là-bas au fond. Alors, qui me fait... Ah, bah, c'est toi. C'est toi qui me fais de la lumière. Oh, regardez comme c'est chouette le coquelicot de cette couleur-là. Ah, bah, tous les rouges ont poussé. Et je vais pouvoir les couper. On aura peut-être assez pour faire du coup enfin notre bouquet. Je sais pas, on verra bien. S'il manquait deux bouquets encore, je crois. Est-ce que j'ai encore de l'engrais à remettre? Quoi qu'il y en a encore. Hein. Hop, ça on met là. Bah, je peux prendre du compost sur moi, par contre. De l'engrais de croissance. Hop, viens ici. J'en remets même si on a déjà. C'est pas grave. Ah, c'est joli. Les variantes de couleurs de fleurs, elles sont énormes. Après, ce qui est canon, c'est que vous pouvez récupérer des graines de tout. Et du coup, vous pouvez refaire quand vous voulez les nouvelles fleurs. Rose rose. Cyclamen, cyclamen, j'en ai là. Coquelicot rouge, hop. C'est ma rose qui est rose. On va changer de page, hein. À moins que c'est quoi ça? Coquelicot blanc. Je vais changer de page. Je les rangerai peut-être par sorte de fleurs plus tard. Que fais-je avec ça?
Bouquet. Dites-moi qu'on peut faire les deux coquelicots. Eh oui. Du coup, eux ici. Alors. Je vais être obligée, je crois, d'entreposer mes outils. Donc la pelle, je suis déjà pas obligée de la garder sur moi à la base. Ça, je garde. Il me faut de la place pour prendre mes bouquets. Normalement, j'ai assez. Bouquet là. Tournesol. Coquelicot. Et on va pouvoir valider la mission. Ça, c'est ultra canon. Oh! On a un hybride là. Vous voyez là le violet? Qu'est-ce qu'on a récupéré? Et les bords roses. Vous voyez dans le petit, dans la cabane, il y a un livre sur les fleurs que je vous avais présenté dans la première vidéo. Et vous voyez après toutes les couleurs que vous avez débloquées. Allez, on est parti. On fait notre livraison. Oui. 750 florins, hein, la récompense. Donc là, on est bien. Bon, on n'a plus rien d'autre d'ailleurs. Bonjour, je vois que vous avez commencé avec la liste des tâches de Robin. Je ne voulais pas en parler pour ne pas mettre la pression, mais merci. Ça simplifie beaucoup pour Laurie. Ça signifie, pardon. Leslie vous remercie pour les bouquets et sans surprise, elle a déjà contacté le charpentier. La connaissant, il devrait y avoir un stand sur la place du village la prochaine fois que vous irez là-bas. Une dernière chose, vous avez probablement vu l'élément concernant le pavillon sur la liste des tâches. Je pense que je vais le rouvrir. Pourrez-vous passer quand vous avez l'occasion? Je pense que ce serait cool de lui donner une autre chance. Cool, merci. Bon travail encore une fois. Le pavillon? Le pavillon. Je ne savais pas que Jasmine l'avait fermé. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez adorer. Ça va vraiment être quelque chose. C'est quoi? Le pavillon. Ah oui, et Jasmine avec le pavillon. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça sera. Il faudrait que je mette plus de fleurs dans le centre aussi, également, je pense. Attendez, je check juste. Ouais, on a encore une graine par là. Ah, cool. C'est vraiment génial quand c'est les variantes qui me refont des fleurs. Celle-là, j'ai pas encore. On va ranger. J'avais récupéré ça. C'est quoi ça? Et les bords roses, c'est les jaunes. Je pense que je les trierai par espèce ou alors par couleur. Je verrai bien. On va passer la journée du coup pour voir ce qui se passe le lendemain matin. Ça va être sympa. Bah, il pleut. Comme ça, au moins, pas besoin d'arroser. Mais bon, ce qui veut dire qu'on va avoir plein de mauvaises herbes. Ah, on a des nouvelles quêtes. 12 boutures de rose rouge et tournesol. Iris violet, hostable lila. Ça, j'ai pas. Coquelicot orange, bah, ça va prendre du temps. On va dans un premier temps récupérer ça. Oh, je vois du violet. C'est cool, on a encore des hybrides de couleurs. Oh, trop bien. C'est cool parce que c'est vraiment la surprise quand vous arrivez dans le jardin. De voir ce qui s'y est passé. Oh, le tournesol rouge, il est chouette. Du coup, ici, il n'y a rien qui s'est passé. Le pont, là, il n'est pas construit. Il n'y a rien de nouveau du tout. Alors, on va faire le tour pour récupérer les graines et on va aller au village. Ah, c'est vraiment joli, hein. Qu'est-ce qu'on a cette fois? Violet foncé, mais ça va être trop beau ça! Là, on a une graine normale. Oh là là! Cyclamène blanc. Ça va être tellement canon! Là, c'est du normal. Tu te sors de là. Là aussi. Ah, on a une hybride par là. Hybride de tulipe? Oui. Non. Pas hybride de tulipe. C'est du lierre par contre, l'hybride. Lierre jaune pâle. Oh, je dis oui aussi, hein. Je suis pas comme ça, hein. Là, il n'y a rien. Là, il y a des bébêtes.
Je regarde ailleurs, du coup, parce que j'ai pas attention sur les autres, j'en ai pas vu. Hop. On a là une graine. Ah, pas mal de graines, encore une fois. Ah, c'est vraiment chouette. Oh, hybride. Les roses de quelle couleur? Oh, des roses blanches. Ah non. Oh là là, il va y avoir de quoi faire des trucs de fou, en fait. Je vais pouvoir enlever, je pense, un rosier rouge et mettre un blanc par ici. Ou peut-être un blanc là, je sais pas encore. Mais c'est tellement beau. Moi, je sais plus où donner de la tête. Attendez, on va quand même ranger un petit peu avant d'aller au village. Même si je sais que je devrais peut-être pas y traîner 3 heures, parce que... comment dire, la journée, elle passe en 3 secondes et demie. On va faire du rangement automatique. Du coup, j'ai récupéré quoi sur la deuxième page? J'ai du violet là. On a le cyclamen blanc, le rose blanc, le lierre jaune, pivoine rose foncé et les bords roses. Il y aura pas mal de nouvelles choses à replanter. Hein. C'est vraiment classe. On va aller tout de suite au centre-ville. Voir ce qui nous attend là-bas. Eh bien, bonjour. Comme promis, vous êtes maintenant propriétaire d'un stand de jardin. Il est là-bas, dans le coin, en face et des portes du pavillon. Quoi? Ça devait être très simple à utiliser. Les gens passeront, espérons-le, avant ou après être venus me rendre visite et vous donneront des florins pour ce que vous vendez. C'est cool. Le lendemain matin, vous pourrez récupérer l'argent de la veille dans la petite caisse. Mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est ceci. Certaines marchandises se vendront mieux ou moins bien selon les saisons. C'est la règle du métier. Je suis certaine que vous allez très bien vous en sortir. Quelle nouvelle étape excitante. Alors du coup, c'est où? Oh. Je peux planter ici, vous croyez? C'est ça mon stand? Salut. Alors voilà le pavillon, il a l'air plutôt spectaculaire tel quel, vous ne trouvez pas? En gros, Robin et moi parlions d'autre façon d'utiliser le jardin lors du dernier festival d'été. Nous avons pensé qu'il pourrait être agréable de rendre hommage aux personnes du village que nous chérissons vraiment. Avant même que vous le sachiez, nous réfléchissions à ce qui distingue ces personnes. Toutes ces statues géométriques en découlent. Okay. Vous trouvez la liste attachée à chacune des fleurs que Robin avait prévues pour fabriquer les statues. Oh là là! Par exemple, si je fais quoi ici? 30 boutures de rose rose et du boulis blanc. Coquelicot rouge et les bords roses. Jasmin jonquille. Mais c'est fou comme c'est beau. Vous imaginez tout ça refait plein avec plein de fleurs? Ça va être ultra canon en fait. Je vais aller voir s'il n'y a pas une nouvelle espèce de fleur qu'on pourrait acheter parce qu'on a récupéré un peu d'argent. On peut même peut-être regarder un petit peu de la déco pour terminer. Oh mince, il y a déjà autant de vidéos que ça. Oupsies. On va regarder ce qu'il y a. Ah, il y a des trucs sympas, il y a des petits trucs saisonniers. Oh, j'aime trop. Je prends pas des trucs forcément chers, je suis tout au début, donc je préfère pas trop mettre non plus, mais... Oh, c'est canon. Kiosque en bois. Échelle de fleurs, c'est magnifique. Et je vous cache pas que ouais, l'échelle de fleurs, là, ça me plaît beaucoup. Je vais la prendre, tant pis pour le prix. Hein. On va quand même regarder. Je voulais voir pour acheter des fleurs. Rose, tournesol et les bords tulipes, on a. Coquelicot, on a. Jonquille, oui. Hortensia, j'en ai pas. Pivoine, c'est ok. Lierre, c'est ok. Cyclamène. Ça, j'ai pas. Lys. J'ai
Je vais peut-être essayer de me faire les fleurs de la première page. Comme ça, je saurai où j'en suis. Oh là là, l'hortensia. Les hortensias, c'est magnifique, mais les lignes de mémoire, ça prend beaucoup de place. On va mettre ça encore en route. C'est vrai qu'il pleut. Donc dans le doute, c'est pas trop mal. On va pas être trop embêté pour arroser. J'ai un trou ici, je vais mettre le premier hortensia là. L'autre, je pense que je pourrais le mettre là au bord de l'eau, au bord du truc. Est-ce que j'ai vu une graine? Hop. Oh, mauvaise herbe. File de là. On a plein de graines encore. Du coup, j'ai la jonquille blanche. J'en ai mis une ici. On va mettre l'autre jonquille blanche là. Voilà. Petit escargot. J'aime trop les petits escargots, moi. Canon. Et mon échelle à fleurs, ça a l'air petit. Ah non, c'est chouette. Non, là, ça va me gâcher un petit peu. Est-ce que je pourrais mettre ça? Après, je me dis qu'au milieu, ça peut être joli. Si je peux peut-être l'entourer plus tard. Je vais le mettre là en attendant. Je peux peut-être mettre des petites fleurs autour. Du coup, je vais avoir mes graines dans le... Ouais. Alors. On va planter celles qu'on n'avait pas. Bah, je vais peut-être mettre les lys là, du coup. Après, je me dis, je peux peut-être fermer l'espace en mettant des rochers aussi. Faudra me dire si vous avez envie que je revienne, qu'on fasse des petites décos comme ça sur certaines fleurs. Alors ça, les cœurs saignants, je ne sais pas si ça prend beaucoup de place. Si c'est des petites fleurs, des fleurs plus grandes. Ah, c'est grand. Vu la taille, je suppose que ça a une importance. On va en mettre là. Là. Et j'ai peut-être de la place derrière le banc, non? Non, j'ai pas de place derrière le banc. Si, j'ai de la place derrière le banc. C'est déjà histoire de voir à quoi ça ressemble. Après, je peux bouger toutes les plantes, de toute façon. Hein. Je vais mettre de l'engrais sur les nouvelles. J'en ai plus. Je vous propose, je sais, on est toujours... Allez voir le centre de jardin, mais... c'était où le centre de jardin? Je suis bête, moi. J'y ai pas été. Je ferai ça, pardon. Je crois que c'était ce qu'on nous avait montré. Pas bien grave. Vous voulez juste qu'on regarde si les nouvelles fleurs ont planté, ont poussé? Oh, regardez, des mauvaises herbes. Ah, c'est chouette, c'est tellement beau. Oh là là, c'est canon. Les autres, par contre, elles n'ont pas poussé? Il pleuvait, pourtant. Je pensais que ça allait pousser. Bon, c'est peut-être parce qu'on les a fait en fin de journée aussi, hein. Allez! Cette fois, on s'arrête sur cette vue magnifique du jardin. Je trouve ça tellement génial à faire. Franchement, j'adore. N'hésitez surtout pas à me dire si vous en voulez encore. Moi, ça sera avec un grand plaisir. Ce jeu est vraiment magnifique et ultra zen. C'est vraiment fantastique. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. N'hésitez pas à laisser plein de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien.